Uh, ok, uh, on a un, deux, trois, quatre textes. We're going to be reading four different passages Et on from va les lire scripture. en français. Et Catherine va les lire. On commence avec acte 14 de 26 à 28. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Ensuite, Proverbe 29, verset 2. Proverbe 29, verset 2. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. 1 Timothée 2, verset 1. First Timothy, chapter 2, from verses 1 Timothée 2, verset 1-3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté, car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et finalement, Habakkuk 2, 2 à 3. We're going to finish with Habakkuk chapter 2, verses 2 and 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et tout le monde dit amen. Alors, ne cherchez pas trop de liens entre ces textes, ok Parce qu'il n'y en a pas. Don't look for the connection between these texts. Ok. Uh, mais en, bon bref. Uh, so my message, I'm going to preach in English. It's easier for Catherine, je pense. On va faire la traduction en français maintenant. So aujourd'hui, really, I have three messages I want to give you. À vrai dire, j'ai trois messages ensemble aujourd'hui. <laughs> And if he finishes by 12 o'clock, it'll be a miracle. Et si on arrive à terminer pour midi, ça sera miracle. God is a God of miracles. Mais Dieu est le Dieu des miracles. All right. Uh, I, I do want to give you a little feedback on our last, uh, principally the last three months. Je voudrais vous raconter un peu nos trois derniers mois en voyage missionnaire. A second thing I want to talk to you today a little bit about the elections. Et je voudrais vous parler des élections aujourd'hui. I'm not going to tell you how to vote. Je vais pas vous dire comment voter. But i will tell you what to vote for. Mais je vais vous dire pourquoi pour voter, pour okay. voter. and then the last thing I want to give you is a vision for our future. And so father we just thank you for this time together. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Would everybody put their right hand over their Lasse eyes please? Sur vos yeux, vous plaît. Father, votre main declare in the mighty name of Yeshua. Père, of Yeshua that je déclare au nom puissant de Yeshua. you bless our seeing. Tu bénis notre vision. And as we see, we understand. Alors que nous voyons, nous Put your hands over your ears. Sur les Father, mighty name of Yeshua, I declare that you bless our hearing. Père au nom de Yeshua, tu bénis notre écoute. That every man and woman hears what the Spirit would say to the church. Afin <inaudible> your <inaudible> hand over your heart. Father, I cœur. declare that our hearts are soft like clay in the potter's hand. Entre les mains de, and you form potier. in us the image of Christ. Et tu en nous image de Christ. Now lift your hands to heaven. Father, together we release the spirit of wisdom and the spirit of revelation. And all of the knowledge of Christ. Christ. We declare together nous that ensemble. every spirit that would distract us, que tout qui veut make us, nous us feel tired, Ou nous or, or any other uh, um, disturbances, they are we bound re in the name of Jesus. Parole, we receive the fullness of your word today, and we engage our heart to believe it, la, and to live it in the name of Jesus. The, Jesus. And everybody said, amen. <laughs> <coughs> amen. So, uh, in looking at the book of Acts, Regardons donc le livre des actes. Uh, we can see that it was Paul's Nous constatons que c'était la coutume de Paul, that after being sent from, from Antioch, après avoir été envoyé par l'église uh, d'Antioche, Gathered the church together pour son voyage missionnaire, il a rassemblé l'église quand il est revenu. And all of the great that God had done. Et il a partagé les grands miracles que Dieu avait fait. J'imagine que ça a duré toute la journée pour raconter ce qu'il a vécu. Je vais juste prendre 10 minutes. Il right, uh, so y a beaucoup de choses que Dieu fait. Um, Uh, since the 1st of April I visited 12 uh, 21 different cities Depuis le 1er avril j'ai visité 21 right. villes différentes uh, in 12 weeks Dans l'espace de 12 more semaines more than 20 air, uh, different airplanes 20 avions différents uh, we also held our pastoral for uh, the Horizon group Nous avons également eu au mois de mai la pastorale and pour la famille Horizon and we held our tenth city conference Et la conférence 10 city Europe um, <coughs> we, excuse me, I still have a bit of a cough. You're not going to translate that? It's a tooth. même. Not bad, not bad. Touché, touché. On a passé deux semaines en Martinique en mission. Mm. We wrapped up with, a, uh, with our final uh, training session uh, with Equip. Nous avons achevé la formation Equip qu'on faisait là-bas depuis And plusieurs And I just have années. to say, Philippe did an amazing job uh, je... with that training session. Je tiens à remercier Philippe, il a fait un travail extraordinaire pour organiser and, cette formation. Super. And On peut pas visualiser un voyage en Martinique sans uh, Philippe et Assine were, avec nous. <laughs> ce sont des vrais soutiens pour uh, ce genre preached, de voyage nous avons prié, euh, prêché dans uh, deux églises différentes en Martinique. nous avons rencontré beaucoup de leaders et pasteurs it, honestly, it was one of the most, uh, je dirais que c'était un des, une des missions les plus fructueuses qu'on a jamais fait uh, aux Antilles et en même temps, on a rencontré des combats spirituels très forts. Bon, il y a toujours un combat spirituel quand nous sommes à l'étranger. Mais cette fois-ci, c'était très particulier. En fait, de chaque fois que j'ai prêché depuis septembre dernier c'était vraiment différent mon expérience ce qui a confirmé pour moi que le Seigneur nous a libérés dans un autre aspect du ministère il y avait une nouvelle autorité par exemple and, uh, and et nous voyons déjà les résultats un des résultats que souvent il y a des et évidemment, un de ces résultats, c'est des représailles spirituelles. Uh, fever, Et en l'occurrence, dans notre cas, c'était la dingue qui nous a chopés. Uh, uh, <laughs> <laughs> des moustiques les ont été très généreux avec nous. Ils ont partagé la dingue avec nous en Martinique. Pendant ma prédication, mon tout dernier jour, je suis tombé tellement malade à l'intérieur de mon corps. C'était au milieu de la prédication. J'avais vraiment l'impression que la vie quittait mon corps à un moment donné. Après le service, ils me pour manger. To, to et bien sûr, après le culte, on voulait me faire manger au resto avec tout le monde. J'étais incapable car. de marcher tout so seul pour to vous dire. Donc il y avait deux personnes qui m'ont aidé and, à marcher jusqu'à la table. Point, really Et à un moment donné, j'avais mal uh, cool Et j'ai dit à Catherine, je vais chercher un petit coin frais. Et plus un un instant, quelques instants plus tard, un ancien est venu and me I chercher. At him and I et j'ai rigolé avec lui. Et je lui ai dit :« Je pense que je vais juste mourir ici, dans cet endroit. » Et la partie de moi était sérieuse. moitié sérieux, mais j'avais envie presque. » C'est pas bon. Mon état, c'est pas bon. You know, et hey, the, the on avait view. une belle vue de l'océan dans ce restaurant et tout. Bon, s'il faut partir, think of pourquoi pas to die than right here. I <laughs> Il n'y a pas de meilleur know. endroit, mais. <laughs> awesome, <you> N'est-ce <know. laughs> pas uh, but we got, we got very sick. Mais on est tombé très malade finalement. Uh, our left on Notre vol est parti okay. le lendemain. Notre so vol est parti le lendemain. Lundi. Après, and ce we jour landed in Paris Tuesday morning. nous sommes arrivés à Paris mardi matin. And Wednesday afternoon we left for Finland. Et mercredi après-midi, on est parti en Finlande pour la prochaine mission. So, and we were sick. Et on était toujours malade. We were really sick. Très um, malade. Et on arrive à Helsinki. On arrive à la capitale. Uh, pastor, uh, picking, un pasteur de notre église nous a cherché à l'aéroport. Uh, we On est arrivé avec un peu de retard. Drive to the meeting place. On arrive à la réunion. The meeting was already in progress. Et la réunion était déjà en cours. Et donc, deux minutes plus tard, je devais me lever et prêcher à nouveau. I didn't really even know where I was. Et j'avais même. Du mal à voir où j'étais. Mais voici le miracle. Dès que ma main the a touché le micro, la puissance de Dieu est venue sur moi et la parole de Dieu a été prêchée. Oui. Amen. On a fait encore une réunion jeudi soir. Friday, we traveled several hours to the next place where we were preaching. Vendredi, on a fait le trajet en voiture au prochain endroit. So Saturday, a, a day-long seminar. Un séminaire toute la journée de samedi. Some, Sunday morning uh, meeting with the pastor and, and, and his wife. So, dimanche matin, réunion Sunday afternoon service. Dimanche après-midi, le culte. And I had reserved Catherine and I to go on an excursion over to Estonia. Et on avait prévu après notre mission de faire une petite excursion en Estonie pour We to sleep. On a décidé de dormir toute I la avait une chambre d'hôtel we avec went la to, clim. <laughs> we, went to, we got to the, to the room around nine o'clock in the evening. On est à la chambre vers 9h le soir. And, and got into bed on est, on est couché? and got out Tuesday morning around 10 o'clock. We did le wake up Monday morning to go get something to eat. On a mangé quand même entre deux. And that was that was it. But we could I, I have never done. I can't even remember as a kid doing that. i never, never 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 never, never si it was, intense. it was intense. Spiritual warfare. The God real. is good. But God is good. And fruit. <coughs> Thank you, Jesus. Merci, um, when you're serving God. I I will say this because people say, chose. Well, did you go to the doctor? On m'a posé la question, vous êtes allé voir le médecin oui ou non? Je pense que j'ai visité un médecin une fois dans 40 ans de vie. Merci le seigneur pour les médecins. Mes enfants sont présents aujourd'hui grâce aux médecins. So J'aime bien les médecins. I think they're wonderful people. Ce sont des gens merveilleux. je n'ai J'ai juste pas envie de faire un rendez-vous. I, I go see the best doctor. « Moi, je, vais, je préfère aller voir le meilleur médecin. I » mean, Soyons sérieux. « Je sais que je suis malade. » Pourquoi voir le médecin Il He's va me dire que je suis malade, mais je le sais déjà. Il va faire des bilans. Il va me <laughs> regarder. Il va me dire, « Monsieur Baxter, You're sick. tu es malade. » Et bien voilà. Et je dis, « Merci, je le savais déjà. » You need healing. Tu as besoin de guérison. Thank you. I Merci. knew that already. Je le sais. So there's probably somebody else out there that doesn't walk in divine healing. Donc, si ne marche pas dans la guérison Moi, pourquoi je prendrais sa place chez le médecin Mais peut-être un jour, j'aurai besoin d'un médecin. Qui sait Et si le Seigneur me dit d'aller voir le médecin, j'irai, bien sûr. Pas de problème. Mais je prêche la foi, n'est-ce pas Je ne prêche pas seulement la guérison. Je prêche la Guérison divine. Are you with me? Vous voyez? You know, yeah. so sometimes we suffer, Donc, parfois, on souffre, c'est vrai. On But est attaqué. This time, I did a Mais cette in the fois, j'ai contacté un frère dans le Seigneur qui médecin. a, a, doctor, who is a doctor, And I, I told him our symptoms. J'ai raconté les symptômes. In, in like Et dans cinq secondes, il a dit. Oh, c'est clair, c'est la dengue. Voilà. He says, "You're sick." Tu es malade. Et j'ai dit, je sais. He says, you need healing. Il a dit tu as besoin de guérison. J'ai dit je sais. Says, really, en fait, à vrai dire, tu dois rester au lit pendant quatre jours et ne rien faire. J'ai dit je sais. But we're on mission. Mais on est en voyage missionnaire, on peut pas. And that is not an option for us. pas une option. You know, there's many people that oftentimes after we talk about all of the glorious testimonies of the missions. des gens après avoir And they "Oh, Pastor Robert, I'd love to go with you and Catherine on a missions trip." Qui am "Oh, je veux bien t'accompagner pour le prochain voyage missionnaire." I'm not so sure. Je pas <laughs> Because if you're running a fever. Parce que si vous faites une fièvre. Et vous êtes couvert de la tête aux pieds avec des petits poils. No et vous n'avez pas de force dans vos muscles. Ce n'est pas moi qui vais te faire un câlin et qui va te porter partout. Oh, pauvre frère. Oh, Il faut aller chez le médecin. Je vais bed. dire à ce frère Tu es un homme de foi, lève-toi. Crois. <laughs> Whoop! Ah bon? I might be a little easier on the ladies. Plus de pour les femmes. <laughs> Maybe. Not sure. Because my wife, she's tough. Because my wife, she's tough. Is anybody here today? Vous êtes là? So. Mais tout ça pour dire que le Seigneur m'a parlé à travers ces épreuves. <laughs> and, and really Et certaines choses sont devenues très claires pour nous. One, we are walking in a new authority. Première chose, c'est vrai, nous marchons dans un But that niveau, niveau supérieur d'autorité. Well, Mais ça veut you dire que vous aussi, vous marchez dans un niveau supérieur d'autorité. All right. Now that new authority requires something. Cette nouvelle autorité exige quelque chose de votre part. It requires a greater consecration to God. Une plus grande consécration à Dieu. Et eh oui. More time in prayer. Plus de temps dans la prière. Amen. Amen. And, and, and a bigger team Et to walk with. Et une équipe agrandie Avec qui marcher. Ça, c'est une de nos convictions. Et je ne suis même pas en train de vous solliciter. Mais c'est devenu très clair pour nous. Il y a certains endroits où Dieu va nous envoyer où il nous faudra des renforts dans l'intercession we, notamment. We Des intercesseurs engagés pour nous accompagner spirituellement dans ces Listen, endroits. Are, Le niveau de prière qui vous a fait arriver là où vous êtes aujourd'hui n'est pas suffisant pour là où Dieu veut que vous alliez. Let me say it one more time. Je vais répéter cette phrase. Le niveau de prière que que Dieu a utilisé pour vous faire arriver là où vous êtes. Et ça peut vous maintenir dans ce niveau. Mais si vous voulez aller plus loin, le niveau de prière doit augmenter, forcément. Et il y a certains types de prières que vous ne pourrez pas faire tout seul. Et il faut partager le fardeau avec d'autres, n'est-ce pas? C'est exigé dans le royaume. C'est obligatoire. C'est obligatoire dans le royaume de Dieu. Of of Je viens d'apprendre cette semaine qu'un pasteur d'une des plus grandes églises d'Amérique vient de donner sa démission. Morning, 100, le dimanche matin, c'était 100 000 personnes dans son église. And he just resigned. Il a donné sa démission. He's than I am. Il est plus jeune que moi. And the is he a sin 35 years ago La raison pour laquelle il a donné sa démission, c'est parce qu'il avait commis un péché il y a 35 ans. Wasn't, il wasn't n'a pas été traité correctement, bibliquement. And now that person is making a public accusation against him. Et maintenant cette personne s'est levée et accuse publiquement ce Pasteur. 35 years later. 35 ans plus tard. And he decided il a décidé de lui-même. At what 60 years old? 61 years old. Peut-être il a 60 ans pas. That the best thing for in the prime of his life. Donc encore avec beaucoup de force dans sa vie. Un des pasteurs les plus connus du monde. Et il a décidé que la meilleure chose c'est de quitter le ministère. Laissez-moi vous dire the devil quelque chose. Play. Le diable ne joue pas de jeu. You start in your in Christ, vous commencez à grandir dans votre autorité en Christ. Et c'est le plan de Dieu pour votre vie d'ailleurs. Amen. Amen. You're going to be confronting demons that are ever ever bigger and bigger. Vous allez confronter des plus en plus plus de plus de démons et plus grands démons. And you have to acquire better arms, better weapons. Et il faut obtenir des meilleures armes spirituelles. Peu importe si vous êtes très connu ou pas how big your ministry du tout, si vous avez un grand ministère, si Christ, vous avez gagné des milliers d'âmes, peu importe you've le nombre seen, de miracles que votre ministère a vu, s'il y a des choses cachées dans votre placard, even if you've about même si vous les avez oubliées, you, the devil écoutez, forget. le diable ne n'oublie jamais. Amen. This is, Amen. We're, we're in a warfare. Parce que nous sommes dans un combat. C'est pas un jeu. C'est une guerre. Are you with me? Vous êtes là? Amen. Now, I love you guys. Je vous aime. I love you with all my heart. De tout mon cœur. I'm willing to give my life for you. Je suis prêt à donner ma vie pour vous. That. Vous le comprenez, Amen. non? But, Amen. you know, and there, there are times I'll come around and put my arm around you and, and give you a hug and tell you I love you. Il y aura des moments où je mets mon bras sur votre épaule Amen. pour vous dire que je vous aime. But you need to understand Mais il faut comprendre quelque chose. Une partie de mon travail est de vous préparer pour la guerre. Et vous caresser, vous dire que vous êtes champion et tout ça. If there's never a time where there's some Attendez s'il n'y a jamais de correction, de défis. Le diable va venir après vous. Hello. Et si jamais il peut remporter une victoire dans votre vie parce que moi je ne vous ai pas préparé pour, alors j'ai une responsabilité dans cet échec. Are you hearing me? Vous m'entendez? C'est une chose sérieuse des choses Ce sont des Now choses sérieuses. June, Maintenant, je comprends. On est le dernier a nice, dimanche message, de juin. On voulait know, entendre un message sur les vacances. lycée dans la période Ooh, de pause, tranquillement. <laughs> well, mm, attendez. Désolé. I've got some more Ça, ne pas pour aujourd'hui. Parce qu'il des a All right. Now, my policy has always been since I moved to France, Depuis mon arrivée en France. To never make any sort of je ne fais jamais de commentaires politiques en public. All right, so the things that I'm going to share with you today. Alors, ce, les choses que je vais partager avec vous aujourd'hui. Are all based on scripture. Ce sont des choses uniquement basées sur les Écritures. not based que particular political position. Pas basé sur mes opinions politiques. my job is to teach you biblical principles. Mon travail est de vous enseigner des principes bibliques. and to help you apply them to your daily life. amen. amen. now, let's, uh, let's admit there, there, there was no democracy. Or representative government in the times of scripture. À vrai dire, il n'y avait pas de démocratie à l'époque des Écritures ou gouvernement représentatif. It did not exist. Ça n'existait pas. Donc, so l'époque. Donc, on ne va pas trouver un passage biblique. That specifically relates to how to maintain a Qui democracy. parle exactement sur comment maintenir en place une démocratie. Okay. But let me just tell you this. Mais je peux vous dire que la démocratie vient de Dieu. Well, uh, non, une forme particulière de la okay. démocratie vient de Dieu. There's a democracy of men, Parce qu'il y a aussi la démocratie that is nothing more humaine than tyranny that's disguised. qui est la tyrannie déguisée finalement. Qui veut faire croire que si tout le monde va voter, les bonnes personnes seront élues. Et que ces représentants élus feront ce que le peuple okay. veut. Th this is a false Democracy. Non, c'est une fausse démocratie. Kind of Et malheureusement, la plupart des pays occidentaux suivent all right. ce modèle. All right, but all is not lost. Mais tout n'est pas perdu. Je ne suis pas un prophète qui annonce le mal, le pire. Here, Je friends. crois que la main de Dieu est sur notre Amen. nation. La France n'est pas trop loin de Dieu qu'il ne peut pas la sauver. So J'ai jamais vu autant d'intercession de la part des Français Hallelujah. pour ce pays. Amen. Amen. À un moment for their donné, je me rappelle très bien, on n'arrivait jamais à rassembler des chrétiens pour prier. And now there's so many prayer meetings Mais maintenant, il y a tant for de réunions de prière. You know, it's, it's like C'est presque une rivalité. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu I've been ça. 36 years. Et ça fait 36 ans que je suis en France. So J'ai jamais vu tant de réunions de prière. So so savable, Donc, si le péché de la France est allé trop loin, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable d'être sauvée, pourquoi Dieu susciterait le désir dans son peuple de prier? So Amen. I don't believe that France has lost. Je ne crois pas que la France est totalement perdue. I'm telling you the god haters and the god mockers they're about to lose. Je suis là pour vous dire que ceux qui se moquent de Dieu sont perdants. And we need to begin to declare they're failure. Déclarer leur échec. That because their ideas fail. Parce que leurs idées ont échoué. Amen. So How do you vote? Comment voter, c'est ça la question. Well, let me just say this first. Je vais dire quelque chose. For Si on veut qu'une démocratie marche, la société doit avoir un code moral. Amen. And and if the population does not share a moral code, si la population ne partage pas un code moral. Only corruption will exist in the land. Seulement la corruption va exister. And corruption kills democracy. Et la corruption tue la démocratie. T corruption kills freedom, personal freedom. La corruption tue la liberté personnelle. Show me any country where there's political corruption and economic corruption. Montrez-moi un pays où il y a la corruption économique et un cor une corruption e uh, politique. There is no de functioning democracy. Il n'y a pas une démocratie qui fonctionne dans ce genre One de, de pays. One of the biggest reasons that immigrants fl uh, flee to Europe. Une des plus grandes raisons. pour l'immigration en Europe. Beaucoup pensent qu'ils viennent en Europe pour des raisons économiques. Mais c'est plutôt une question de sécurité pour eux. Ils cherchent un endroit, élever leur famille, un endroit qui est meilleur que leur pays. Et pourquoi l'Europe, c'est mieux? Il y a moins de why why corruption. I'm not saying there's no corruption. Je ne dis pas qu'il aucune Unfortunately, the level of la... corruption is rising to an unsustainable level. Même le niveau de corruption commence à augmenter. But if, if the general population does not share a moral code, mais si la population ne partage pas un code moral, then a true democracy cannot exist. Une vraie démocratie ne peut pas exister. Amen. You cannot Amen. insist on your personal liberty. On ne peut pas insister sur sa liberté personnelle à un tel point que cela gêne la liberté personnelle de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'un parent, of says of their qu -ce qu parent de, de nombreux enfants dit à ses enfants Play nice Soyez gentils les uns avec les That's autres. Jouez gentiment, c'est votre frère. Garde-lui, veille sur lui. Protect protect him. Him. protège lui sister. Be son, nice. sois gentil avec elle. N'est-ce pas It's what you tell your children. Les parents disent cela. Parce que c'est la règle d'or pour la société. D'accord, peut-être que tu veux se jouer. Mais tu joues avec depuis trois heures. Now your brother wants that maintenant, c'est ton frère qui veut son you're tour. Going to share that toy, tu vas partager ton jouet. And you have a choice. Maintenant, tu as you une choix. Tu peux le... Partagé par ta volonté, ou bien je m'impose ma volonté. J'impose ma volonté. Are you with me? That's how society ça. Works. Mais aussi dans la société, ça fonctionne comme ça. Are you with me? Vous me suivez là? Amen. See, that's all part of society, folks. Ça fait partie de ce que c'est la société. No teach their children, mais quand les parents n'apprennent plus à leurs enfants society, comment vivre en, dans une société, la démocratie ne peut pas marcher. C'est simple que ça. On ne peut jamais avoir suffisamment de police to do what only mom and dad can do. pour remplacer ce que doivent faire les parents, comme on sent chez les enfants. Amen. But if the government Mais si le gouvernement so dad, rend la vie tellement difficile pour les parents, mom and dad quit. tôt ou tard, les parents vont démissionner. C'est comme ça. And you the block of every Et c'est ainsi que le fondement de toute société est détruit. moi même pendant l'Empire Écoutez-moi, même pendant l'Empire romain, on a compris l'importance du mariage et de la famille. Même si les hommes avaient souvent des maîtresses, ces mêmes hommes savaient que le fondement de l'Empire exigeait que le mariage soit honoré et que la famille soit solide. That's in the Roman Empire. Et ça c'est à l'époque de l'Empire romain. Hello. That's why when Paul wrote to the Corinthians, C'est pour cela que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. and he says it's come to my attention. Il a dit "on m'a fait savoir. There is a man in your midst. Qu Il y a un homme parmi vous. and he's having sex with his stepmother. Qui couche avec sa belle-mère? And then he says this. And such a thing is not even heard among the pagans Wow See so we paint Rome to be this really super, super wicked. On conçoit l'Empire romain comme une culture vraiment corrompue. Mais un seul verset a dévoilé quelque chose d'intéressant. Paul a dû confronter les péchés sexuels dans l'Église qui n'étaient même pas tolérés à l'extérieur de l'Église. C'est quoi? brièvement let me just share with you very briefly. Because I'd, I'd, really, I'd love to teach on, on how do you run a democracy, but. J'aurais um, bien voulu enseigner sur comment faire fonctionner une démocratie, mais on Let me just, let me share with you just three, four, right, real quick. Quatre points importants je vais partager avec vous. Moral values that I believe every Christian uh, uh, th th these are non-negotiable for Christians. Des quatre valeurs que je considère non négociables pour les chrétiens. And your votes, si quelque chose va influencer votre manière de voter, morality. il faut que ça soit la moralité avant tout. Arrêtez de voter pour les personnalités qui vous plaisent. Laissez tomber les loyautés politiques et machins. Je vais vous dire, there's not a politician who cares about you. Il n'y a pas un seul politicien qui se, qui se soucie de vous. You, les politiciens disent toujours ce qu'ils pensent veulent entendre okay? les gens. When a TV in Et front surtout of them. devant la caméra de télé. Donc, ils disent le nécessaire pour rester au pouvoir. A politician doesn't have a real job. Un politicien n'a pas un vrai boulot, un vrai travail. He probably never had a real job. sans doute il a rarement eu un vrai travail. There are exceptions to that, il y a des exceptions. But they are exceptions. Mais je dirais que c'est plutôt exceptionnel. Oui, la plupart sont allés okay. à la faculté. They Science went <laughs> from high school into university Du lycée à l'université. In order to do politics. Afin de être dans la politique. As if was a real job. Comme si être politicien était un vrai travail. ce n'est pas un vrai travail. It's not a real job. You don't make money. On ne gagne pas l'argent. On prend l'argent. In, in, in C'est la seule forme de vol légal dans les pays occidentaux. Est-ce que l'État vous demande combien ils ont le droit de prendre pour impôts? Est-ce qu'on vous pose la question? Est-ce qu'on fait un sondage? So it's it's Donc, on prend ce qu'on veut. They take du vol. What they want. Ils prennent ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on vous pose la question, comment dépenser les impôts? Même no, pas. On ne vous demande pas votre opinion. There's no referendum on, on economics. ne fait pas de référendum sur l'économie ou There's les dépenses no du gouvernement. These are the politicians that, in the month of August, sont des will qui convene a special session. Au mois d'août, vont se rassembler vote et voter sur deux sujets how much their combien doit augmenter leur salaire personnel And how much more they tax you. et comment les impôts doivent augmenter. They don't care about you. Ils ne se soucient pas de vous. So don't vote for a ne votez donc pas pour une personnalité. Votez vote selon les politiques des personnes. Votez pour ce qu'ils croient des croyances de, de Vote ces personnes. They Votez euh, en fonction des promesses okay. des candidats. Stop voting because you think they're nice. Et arrêtez de voter parce que vous pensez Or you que telle et ou vous avez aimé son discours. Quatre valeurs non négociables pour les chrétiens. Right, Numéro 1. la vie dans le sein de sa mère. La vie de tout, this is, bébé. This is non, for est Christians. non négociable mes amis. Amen. Now at what moment precise does the Bible say life begins? À quel moment précis est-ce que la Bible dit que la vie commence? Well, the Bible doesn't give one single verse. Il n'y a pas un verset. That states clearly Qui dit noir sur blanc that life begins at conception. La vie commence à la conception. But there are uh, several verses a de that indicate that life is in the blood. Qui indique que la vie est dans le sang. Or the soul is in the blood. Ou que l'âme est dans le sang. And we know that the woman uh, the baby has its own blood at 4 weeks. Et nous savons que le bébé a son propre sang en quatre semaines. Now, personally, I do believe human life begins at conception. Personnellement, je crois que la vie humaine commence à la conception. Okay. Mais bibliquement okay, parlant, c'est au moins à quatre semaines. La vie est L'âme humaine est présente dans le bébé Amen. Now, if you weren't here about a year ago, I did a whole teaching on that. Il y a environ un an, j'ai fait tout un enseignement à ce sujet. Right, and unless YouTube took it down, je ne sais pas si YouTube l'a gardé ou l'a supprimé. Parce que YouTube a la tendance de supprimer des choses. qu'ils n'aiment pas. Quelle liberté d'expression hein. d'expression En tout cas. Mais si ils ne l'ont pas ça se trouve que c'est toujours là. La vie commence dans le sein de la mère du bébé. Si elle décide de son propre libre si la mère décide de sa propre volonté, propre doctor, avec l'aide d'un médecin state, et l'aide de l'État, de terminer sa grossesse, qu'est-ce que ça s'appelle? Peut-être qu'il faut arrêter d'utiliser le mot avortement. C'est du meurtre. Si je tue une personne innocente, qu'est-ce qu'on dit de moi Je suis meurtrier. I'm a murderer. Meurtrier. Point. Est-ce que vous allez voter pour un meurtrier Je ne sais pas comment un chrétien peut voter pour un meurtrier. I, I just don't know how, how is it how do you do that within your heart Comment faire knowing how precious life is to god scriptures even Pour say Dieu. that when i was in my mother's womb god formed me Psalm tu me connaissais dans le okay, if God mère, is forming that baby how can you be in favor of somebody killing that baby? Okay, I, I, I don't understand how as a Christian à you can comprendre. justify that. Okay. A second non-negotiable non uh, the Bible states clearly that marriage should be honored by all. La Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. All. Tous. All means all. Tous veut dire tous. Amen. Not just all Christians. Pas seulement honoré par des chrétiens. Mais tous les peuples. Regardless of your faith. Peu importe la croyance. Whether la you foi. have faith or you don't have faith. Si on a la foi ou pas. Marriage is the is the 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 pierre uh, angulaire cornerstone of society. Le mariage est la pierre angulaire de la société. And is a man and a woman. Et le mariage est entre un homme et une femme. Point. Maintenant, j'ai conseillé des gens qui It's avaient des attractions assez répandu and we need to be ready sexe, to know how to c'est un phénomène de notre génération il faut savoir comment accompagner ces gens okay we we need to be prepared for that The churches so far behind. mais l'église est tellement derrière la société okay à ce and we're ce afraid là. to talk about it et en plus on a peur d'en parler okay mm -hmm. but we need to talk about it mais il faut en parler hello amen All right, it's it's not enough just to say it's wrong to have same sex attraction il ne suffit pas de dire que c'est un péché d'être attiré vers une personne du même sexe. Il est un péché d'être attiré à quelqu'un d'autre en dehors de ton mariage, point. L'attraction homosexuelle n'est pas pire que l'attraction hétérosexuelle en dehors du mariage. Tous les deux sont péchés. Il faut donc être catégorique que le mariage c'est avec un homme and be by et une femme, et il faut que le mariage soit honoré de tous dans it la société. Have a le mariage doit être, doit avoir Built une into reconnaissance into law, sp uh, spéciale incorporée dans les lois. Ce qui était le cas jusqu'à il y a deux ans. For more than 2000 years of history in this particular geographical location. Pendant plus de 10, 000 ans d'histoire dans de cet Milan. endroit géographique. 2000 years. Okay, it, marriage was between a man and a woman. Le mariage était Even among pagan. Gallican tribes, okay? Le, et des tribus. It's only been Historic. very recent. C'est juste très très récent que les soi-disant experts ont décidé ce qui est mieux pour vous et moi. Et après, ils se sont mis à intimider les justes. To shut up and not say anything. Et ils ont insisté qu'on se taise et qu'on ne dise du rien. Parce que si on ouvre la bouche, we could be as on pourrait nous accuser de la haine. I don't hate Mais je n'ai pas de la haine pour qui que ce soit. But that doesn't mean I have to accept your behavior. Mais ça veut pas dire que je suis obligé d'accepter votre comportement. Where, where is it written? Où est-ce que est écrit? Let, let me ask you this. Where is the mot tolerance written in the Bible? Où est-ce qu'on trouve le mot tolérance dans la Bible? Exact. Look it up. Nulle part. You you want argue before you argue with me, <laughs> okay, and those that are watching by internet, si vous par before internet, you write all the nasty comments, avant de votre anonymously, because you have no courage, uh, right, before you do parce that, look it up. up. cherchez vous in même the dans la Bible Find le mot, me one tolérance et trouvez-moi une référence qui utilise ce mot. Dieu nous ordonne d'aimer le pécheur. Says, Mais il n'a jamais une, une seule fois dit tolérer son péché. Amen. amen. In the house of God. amen. Of soit on est des disciples de Jésus, soit Et on ne peut pas aimer ce monde. And be a friend of God. Et être au même temps ami de Dieu. Number three. This is very subtle. Alors ça c'est très subtil. And I've got to hurry. Oh. La, 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 la. La. Okay, very, very, very subtle. Très subtil. Um, it's it's uh, the the. Let me let me see how I say it here. Yes, the parental authority to educate and protect your children. L'autorité parentale. pour éduquer et protéger ses propres enfants. De manière très subtile, depuis les années 60, l'État prend cette autorité petit à petit. À l'époque, on a reçu l'autorisation de faire la scolarité de nos enfants à la maison. Savez-vous pourquoi Parce qu'on est des étrangers, on était moins intéressés rural, time, it was more rural than it is now. On habite à la campagne, on voyageait beaucoup etc. Okay. And we had a good rapport with the school. Et on avait um, une très bonne relation avec la petite école Probably du village. today would be illegal. Mais uh, aujourd'hui ça pourrait être illégal dans notre cas. Uh, we have some friends that tried to do homeschooling. Nous avons même des Amis okay. qui ont essayé okay. de faire la scolarité. À la maison. Des missionnaires venant d'un autre pays. Okay. Et vous ne croyez pas le combat qu'il fallait pour obtenir l'autorisation. Incroyable. You no have the right to your Ça veut dire que l'État vous a volé huh. le droit d'éduquer vos enfants. Sauf dans le cas de confinement, dans le cas de pandémie. Après, c'est à vous de faire and we need to fight parce que nos enfants n'appartiennent pas à l'état amen et si l'école enseigne à vos enfants quelque chose où vous n'êtes pas d'accord il faut lever la voix our children are done With school. Nos enfants ont terminé leurs études. But, uh, I for the Fête de fin mais je me rappelle très bien. La uh, Fête de fin sort of Ils ont fait des spectacles, mais vraiment vulgaires. Vulgaire. Uh, we we no. Et on a pris position. On a dit non. No. Notre fille ne va pas danser dans cette dans cette ou quand l'école veut fêter Halloween, no, c'est On a dit non, nos not enfants ne seront pas là. Et voici pourquoi. Et no, on explique les dégâts que ça fait. Selon les droits de l'homme en France, si je ne me trompe pas, on a quand même le droit, le, la liberté du culte et ces principes sont But contre notre foi. Mais même ceci est mis en question right? par l'État. Il faut se battre, les amis. Il faut arrêter d'élire des, des politiciens qui pensent que vos enfants leur appartiennent. Right, Dernière valeur non négociable. And honestly, it was not in my top four. Et honnêtement, ce n'était pas parmi les quatre plus importants pour moi. Mais depuis les événements les plus récents au Moyen-Orient, uh, je veux formuler ma phrase correctement. Um, but I'm, mais je refuse d'être intimidé par le monde and determine et ses positions. Et décider ce que j'ai le droit de dire dans le pupitre. So here's number four, Numéro 4. Uh, le soutien d'Israël. Right je vais let me le say dire autrement. Way. Le okay. droit d'Israël de, d'exister. Le droit d'exister d'Israël. Parce que je ne veux pas que vous croyiez que tout ce que fait le gouvernement israélien est approuvé de Dieu. Je ne le dis pas comme ça. Il y a une différence entre l'État moderne d'Israël et le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les mêmes choses. Comprenez bien. Moi, je le comprends. Uh, but I do believe in the promises of God Mais je crois dans les promises de Dieu. And I do believe that the modern state of Israel is, uh, is, uh, is an accomplishment of God's promise je crois que l'état moderne I've read the charter of Hamas from beginning to end écoutez-moi j'ai lu le, la charte de Hamas du début la fin. All right they do not want a two-state solution. Hamas ne veut pas. Uh, une solution de deux okay. états. Depuis qu'ils ont publié leur charte, ils sont très clairs. Ils veulent l'extermination, l'éradication de tout habitant juif d'Israël. Que ce soit clair. Et encore. Go online. Cherchez vous-même la charte en ligne. Faites une recherche Google et vous allez trouver cela traduit en français. Ils sont contre toute négociation. All negotiations. Toutes négociations. They want the absolute leur objectif c'est Of every person living right now in Israel, qui en Israel and that's nine million people—Jews, Christians, Chrétiens, Druze, les Druze Bedouins, les Bedouins, and even Arabs—that are considered traitors. Nine million people. 9 million de that is what Hamas wants. Voilà l'objectif de Hamas. How would you begin negotiating with your neighbor? Comment auriez-vous négocier avec votre voisin? If he made a public declaration, si avait déclaré publiquement, that he he lives for one purpose and one person, one purpose only, n'existe que pour une seule raison, to kill you, vous tuer, rape your wife and kill her, violer votre épouse ensuite la tuer, and decapitate all of your children, et décapiter vos enfants. Where would you begin negotiating? Où commencer une négociation avec une telle personne? This is what France is trying to make Israel do. It is absolutely ridiculous. Ridicule. Now I'll just be quite honest with you. Je vais vous parler franchement. I could care less if there was a two state solution. After the war of independence in 1948. Après la guerre d'indépendance en 1948, les pays autour d'Israël ont négocié une solution de deux états. Israël l'a signée. Devinez qui n'a pas signé à l'époque Yasser Arafat, qui à représentait les autorités palestiniennes. Voilà, Arafat n'a pas signé. Il a rejeté cette solution. Et pourquoi it? He didn't want to share the land. Il ne voulait pas partager ce avec Israël. Il voulait tout. Pour he son lost the il a perdu la guerre. But he to give back all the land. Mais il voulait récupérer tout le terrain. Not part of it. Pas une partie, pas la moitié. All of it. Tout. tout since that time, since 1948, Et depuis 1948, no cinq d'autres traités ont été négociés. Israel signed every one of Et Israël a signé chaque traité. Only one party rejected all of them. On, seulement un parti politique a Guess rejeté who? Devinez qui L'autorité palestinienne. No, I'm not anti-Palestinian. I, I want ça. nothing more than their families to flourish. Je veux que aussi. That their children be well educated. Que leurs une bonne and grow et up tout. and be fruitful citizens. Okay, that's ça. what I want for them. Pour ce it's just not that's what they don't want that for me. Mais ils veulent pas ça pour moi. Charter, et si vous lisez cette charte? East, ils ont écrit une fois que tous les juifs sont exterminés. Ils vont assassiner tous les juifs sur la planète. As well as et tous les chrétiens qui aiment les juifs. So Israel, Donc une fois qu'ils ont terminé avec Israël. Ne faites pas my de fausses idées concernant ils nous cherchent, nous les chrétiens aussi. Hezbollah. Pareil. Whose masters are in Iran? C'est une organisation contrôlée par l'Iran. Hamas only wants uh, Hezbollah only wants one thing. Hezbollah ne veut qu'une seule chose. They don't want a two -state Pas une solution de deux États. They want to destroy every person Ils living veulent. in Israel détruire les personnes habitant en Israël. Actuellement, Hezbollah contrôle plus de 300 000 roquettes et missiles. If you took the United States out of NATO, si on enlevait les États-Unis de l'ONU, euh, de l'OTAN, chose qui pourrait okay. se faire un jour, um,

300 000, Écoutez, and rockets. 300 000 missiles et roquettes. Qu'est-ce que la France ferait if Luxembourg si le Luxembourg mettait 300 000 missiles sur leur frontière avec l'Alsace? 300 000 missiles vers nous. And then the that they every dead. Et annonçait qu'ils voulaient qu tuer tous les Alsaciens. Est-ce que la France forcerait les Alsaciens de négocier avec le Luxembourg Je ne le crois pas du tout. Mais c'est une question qui doit devenir non négociable pour les chrétiens. Pourquoi Faut-il plus de raisons que les statistiques que nous avons partager avec vous. Pensez à tous les sites bibliques en Israël aujourd'hui. Tomb le tombeau rose from du the jardin dead. où Jésus okay. était enterré. The, the mountain of Beatitudes where he gave le the mont où il a fait son discours. Sermon sur les recorded, le meilleur serment enregistré dans toute l'histoire. Le jardin de Gethsemane, where he wept tears, like blood, né où il a versé du sang et des larmes pour nous. Site après site après site where our God did miracles où notre Dieu a fait des miracles on behalf of humanity. pour l'humanité. Si on permettait à Hamas et Hezbollah de faire leur volonté, pensez-vous qu'ils respecteront ces sites-là? qui sont précieux pour nous Pensez-vous qu'ils donneraient plus de liberté ou moins de liberté à nos frères et sœurs chrétiens Pensez-vous que leur traitement des Juifs Do you think that our abandonment of Israel serait gentil Est-ce que vous croyez que notre would cause more Jews to accept Jesus? Uh, le fait que nous abandonnons Israël fera en sorte que plus de Juifs acceptent Jésus vous pensez our Jesus? que notre abandon d'Israël les motive à accepter Yeshua? Non. So, so we have a responsibility. Ce qui veut dire que nous avons une responsabilité. Est-ce que we vous live comprenez le peuple de Dieu? Where the extermination of Israel is a possibility. nous vivons à une époque où l'extermination du peuple d'israël est une possibilité vous avez par cette élection l'opportunité de faire entendre vos voix Stand your feet, please. je vous invite à vous lever so qu'est ce qu'il faut faire right, number one, numéro un before you go vote, avant d'aller voter cet après-midi. Ne jetez pas une prière vers le ciel. Oh Dieu When I go into that voting booth. Quand j'entre pour voter. Move my hand. Agis ma main. Fais bouger ma main là où tu veux. Oui, ce n'est pas une planche. What's a, you know, Un truc board, de divination, you know? c'est pas comme ça. Okay. Ça existe yeah.

Amen and you have a chance. Vous avez l'occasion aujourd'hui de faire entendre vos voix. So educate yourself. Donc avant de le faire, éduquez-vous. Okay. Don't lose hope. Ne perdez pas l'espoir. You know when you play in rugby? Quand on joue au rugby? You know and 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 somebody passes the ball to you. Et on vous passe le ballon. Votre objectif à vous n'est pas atteindre le but. Votre objectif est de faire avancer le ballon un tout petit peu pour le prochain joueur. Et peut-être, il faut passer. Et peut-être le ballon va avancer encore okay? un petit peu. And then he'll have to pass it et après, to somebody else. le prochain joueur Now, va le passer. If you play well as a team, Maintenant, si vous jouez bien en tant qu'équipe et vous the field, continuez à avancer, tôt ou tard, on touche le but. Pour know, we, we vous et moi, on prie. Raise up a holy man of God, un homme de Dieu, who's born again, né de nouveau, speaks in tongues, parle en langue, is water baptized, can quote, has memorized the Bible from Genesis to Revelation. He opens his mouth and prophecy comes un out. Un raise up sa a bouche. president for France like that? Comme ça pour la France. Are you kidding? Non, <laughs> And we set these expectations so high. Nous avons mis la barre tellement haute dans so, nos prières. Parfois, quand nous avons deux options qui ne sont pas terribles, it's not a compromise to our faith ce n'est pas un compromis pour notre foi de voter pour le candidat qui est le plus rapproché à nos croyances. Au lieu de rester à la maison en disant, je ne vais pas voter, il n'y a pas de choix. Non, les deux choix sont terribles. Je pas d'espoir. Et après, on fait toutes les réunions de prière. Oh the woman Seigneur, élève les personnes que tu veux pour le gouvernement. Ce n'est pas une question de lire un roi.

Inspire, inspire people. Plutôt, Seigneur, inspire les gens. Raise up your people, God. Give them courage. Open up their mouths. To talk about these things in, in the workplace, in the neighborhood, with, with their, their children, children at, at least. least. Que God wake up this sleeping Seigneur, giant. Réveille ce géant dormant qui est l'église. Ça devait être notre prière. Up, Et si jamais ce géant dormant not se not lève? Un se se aucun autre uh, homme ou femme impie sera élu parce que l'église est mobilisée. Amen. Amen. So educate yourself. Éduquez-vous. Parlez aux autres, soyez hardi, courageux. Pourquoi? Parce que votre avenir est en jeu et l'avenir de vos enfants sont en jeu. Et allez voter aujourd'hui. Et si like vous n'aimez pas les choix, hold your nose and vote for the best one. Votez pour le, le, le meilleur, la meilleure voie. Et puis priez maintenant, à partir de maintenant, pour la prochaine élection. Amen. Priez que dans l'église de Jésus-Christ, les gens soient inspirés à rentrer dans la politique politique. Des Hallelujah. hommes et des femmes qui. Ça s'est produit dans le passé. Et ça peut se reproduire. Amen. Amen.